le dernier modèle de la marque anglaise lancé à vive allure sur les pistes corses avec un journaliste à son bord. Jaguar a choisi Lille pour présenter son nouveau 4x4 à la presse du monde entier. Chaque matin, des dizaines de journalistes atterrissent à Figari. Côté organisation, pendant un mois, près de 200 personnes sont mobilisées. C'est une société corse qui supervise toute l'opération. Donc toi, tu restes sur Figari. Toi, tu restes contactable sur les lifestyles. Et je reste en supervision générale. Restauration, transport et hébergement, les critères de la marque automobile sont élevés et le budget de l'opération est énorme, plusieurs millions d'euros. 5 restaurants et 3 hôtels fermés l'hiver ont accepté de rouvrir leurs portes et de s'adapter à la situation. On a rappelé nos équipes récurrentes des étages et de la réception pour retravailler avec nous sur des contrats à temps plein pendant un mois et demi sur l'hiver. C'est une très très belle opportunité pour eux, ça leur rajoute quand même un mois et demi de contrat sur cette période hivernale qui est quand même assez longue pour eux. C'est à Bastia, loin de Porto Vecchio, que toute l'opération est centralisée. 2 ans de travail ont été nécessaires à la société d'événementiel pour pouvoir proposer à la marque anglaise un séjour clé en main. C'était un défi par rapport à la destination, un défi pour réussir à convaincre que la Corse est capable, ce qu'on appelle en hyper hors saison, parce que là on est au mois de janvier, est capable d'accueillir un événement de cette ampleur en termes d'infrastructure, et qu'elle est capable par rapport aux prestataires qu'elle a sur l'île, restaurateurs, hôteliers, agences, nous, elle est capable de pouvoir proposer un niveau de service inédit. Voilà. Les paysages corses photographiés et filmés pendant un mois par les médias du monde entier. Une vitrine qui n'a pas de prix, mais le vrai enjeu est peut-être ailleurs. Prouver que l'île est capable de séduire toute l'année et plus seulement de juillet à août.